Les fêtes de fin d'année approchent et c'est le chef Gilbert Renaud de l'auberge du Grand Donzel qui va vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un foie gras maison. Laissez le foie gras de préférence dévenir à température ambiante pendant une heure. Puis, séparez les lobes en deux en les cassant grossièrement. Arrosez le foie gras avec du porto, du madère et du brandy, ou cognac selon votre goût. Assaisonnez avec du sel nitrité, poivre noir du moulin et un mélange de 5 baies. Déposez les morceaux de foie gras dans les bocaux en les tassant légèrement afin de ne pas laisser d'air entre les morceaux. Une fois les bocaux bien remplis, fermez le couvercle. Vous pouvez répéter cette recette, mais cette fois-ci pour des terrines. La terrine, une fois bien remplie, vous pouvez l'arroser du jus de la marinade. Cuire au bain-marie vos bocaux ou terrines au four à 80 degrés pendant 60 minutes. Le foie gras du chef Gilbert Renaud de l'auberge du Grand Donzel est en vente au restaurant, en bocaux de 250 grammes ou en tirines.